Alors bonjour tout le monde, ben, lundi, prédiction de la semaine pour la France, qui s'annonce relativement très mal, on va dire, hein, vu la situation actuelle. On m'a envoyé quelques vidéos qui m'ont, on va dire, confirmé mes prédictions à beaucoup de niveaux. On en reparlera dans l'après-midi. Mais voilà quoi, il y a ça chauffe pour notre matricule. Voilà, bon. Comme d'habitude, bah, je vais commencer par la France. En faites pas gaffe, il y a mon petit café avec moi, hein, comme d'habitude. Allez. Moi, j'aimerais bien savoir. Bonjour, on a notre petite idée, Virginie et moi, dans ce que Monsieur Macron va s'attaquer. Ça, pareil, on pourra en rediscuter cet après-midi. Nous, il va. Pour moi, j'ai la sensation qu'il va s'attaquer au temps de travail, c'est-à-dire les 35 heures à Dieu. Alors. Marie-Raymonde, Michel, Matou, pas mal d'ailleurs, bienvenue, pas mal. Colette, Lionel, Alba, le 11. 1, 2, 3, 4, 11. La grande prêtresse en vert. Yvette, Jocelyne, Jean-Luc, le 10. 10. Le soleil. En droit. Claudine le 21. La fertilité en droit. Marlène, Sissi, Roana, Alain, Domi, Lou Blanc. Bernard, Gabi, Jacqueline, Omar et Pierre, le 7. 1, 7. Le fou en vert. Catherine, Manina, Tigrou, Walking Dead, le 12. Le pendu en droit. Eric, Patrick, Jason, le 13. 1, 2, 3, 4, 13. L'étoile en vert. De toute façon, ça, c'est là, je m'y attendais, hein, de l'avoir. La frustration, je m'y attendais. Hein, en même temps, voilà, on est dans une situation quand même assez relativement très dramatique. Sylvie, Catherine, le 2. La force, violence. De Monique Restard, le 17. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nous avons la mort en vert. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de fin d'un cycle et le départage d'un nouveau cycle. On part toujours sur le même cycle. C'est ça qui est étonnant, ça, vous voyez, ça peut changer du jour au lendemain. C'est pour ça que la voyance n'est pas une science exacte. Il peut y avoir malheureusement des choses qui se modifient au fur et à mesure du temps. Et Agnès Levin. La lune en verre, donc avant l'automne. Alors moi, qu'est-ce que j'en conclus là-dessus au niveau de la France? Qu'on est en train de se casser la figure. Alors voilà, moi c'est ce que je pensais. Et là, on a la confirmation avec la fertilité. À mon avis, il va s'attaquer là au temps de travail. Alors qu'il va vouloir augmenter le temps de travail, ce qui va engendrer du chômage. Ça, je vous expliquerai ça cet après-midi, vous allez comprendre le pourquoi du comment. À mon avis, les 35 heures, on peut faire une croix dessus. Sauf si là, tout le monde y met un peu du sien.
Mais bon, voilà, on est encore en train de couler, ben, on coule gentiment, hein, on part vers une dérive monumentale de catastrophe. On va encore entendre parler de chômage, on va encore entendre parler de beaucoup de choses. Voilà. Les entreprises qui vont fermer à cause de la hausse d'électricité. On va encore, malheureusement, prendre encore, et ça, j'en suis encore formel, des réfugiés. Voilà quoi, si on est au bord de la falaise et puis on continue à avancer quoi. À un moment ou à un autre, de toute façon, ça va être obligé de craquer et ça va être la cata complète en France. Hein, faut se le dire, faut voilà. À mon avis, la crise monétaire qui s'est passée en 1929. Ça sera vraiment une pacotille après pour ce qui va nous arriver en France. Moi je dirais d'ici. Alors j'ai des personnes qui m'ont envoyé des vidéos comme je disais tout à l'heure, qui confirmaient mes dires. Faut savoir que Attali, qui dirige qui tire les ficelles des marionnettes qui nous sert de président depuis Mitterrand. A annoncé qu'il allait avoir un krach boursier énorme d'ici cet été. Voilà. Et donc, ça confirme un peu ce que je disais depuis 3 ans, qu'il allait avoir un krach boursier et que ça allait bientôt nous faire mal où je pense. Donc voilà ce que je voulais dire pour la France. On en reparlera cet après-midi, hein. Il n'y a pas grand-chose à dire, mais ça sent la poudre, ça sent le. Ça sent pas bon pour la France, on va dire. Voilà. Donc ça, c'est pour la France. Je verrai après deuxième vidéo pour l'Europe, voir ce que ça va donner. Voilà.